que c'est ça, voilà, les moments partagés. Et puis, et je suis une passionnée de la nature, donc bah voilà, voir que tout peut marcher ici en 2-3 ans de jardinage. Il y a tout qui pousse et ça, ouais, visuellement, c'est assez chouette, quoi. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Line Albessen, je fais partie de l'association donc Vers le Jardin depuis 5 ans maintenant. Donc Vers le Jardin, c'est une association régionale qui a pour but de promouvoir les jardins partagés, les aires de compostage collectif et également la conserverie dans son ensemble. Donc le jardin ressources, donc c'est un jardin justement, je vous parlais de jardin partagé, c'est un jardin qui peut recevoir les jardins partagés, les jardiniers, des jardiniers qui ont des savoir-faire, qui veulent faire des ateliers, mais aussi des jardiniers néophytes en fin de compte qui viennent apprendre le jardin. Donc, du coup ce jardin est un support autour de nous, justement rempli de biodiversité et de techniques diverses et variées de culture. Les sujets de biodiversité sur le jardin ressources sont beaucoup travaillés par le fait, on peut le voir autour de nous, par le paillage, il y a une aire de compostage aussi, on est sur des hôtels à insectes, il y a comment dire, des nichoirs auxiliaires comme des nichoirs à chauves-souris, à mésanges, des perchoirs un peu en tout genre aussi autour de nous. Donc par tout ce biais-là, et des zones aussi assez sauvages aussi. On a fait le choix de garder quelques parcelles très sauvages, justement, où on ne va pas ou très peu intervenir, justement pour laisser la place aux insectes, à cette biodiversité. C'est les compagnons qu'on n'a pas forcément, qu'on ne voit pas forcément, type bactéries, champignons, et après un petit peu plus gros, insectes, oiseaux, enfin voilà, tout ce qui englobe un petit peu la faune et la flore autour de nous, quoi. Le fait d'avoir un jardin partagé sur les quartiers, je trouve que ça crée du lien dans un premier temps, ça crée du lien, ça crée de la nature, ça crée de la rencontre, des discussions, et c'est vrai qu'on y retrouve vraiment toutes sortes de personnes. Ça embellit aussi le cadre de vie, ça permet, on le voit, hein, le jardin est utilisé, nous on vient pas tous les jours, on vient le mercredi, mais le jardin est utilisé tous les jours, ou en tout cas il y a tous les jours quelqu'un qui passe dedans, qui s'assoit et qui, comme manger son sandwich ou être avec les enfants. Ben voilà, on a aussi besoin de ça et besoin de retour à la nature en ce moment, d'autant plus je pense. On a fait le choix, suite au premier confinement, de faire beaucoup de nourriciers, parce qu'on a vu qu'il manquait de nourriture justement dans les quartiers à un moment donné. Et du coup, on fait confiance aux habitants, s'ils veulent quoi que ce soit, ils se servent, à condition de se servir à petite échelle en pensant à son voisin qui n'est pas à côté de lui. Sur le jardin ressources, il y a une partie de légumes vivaces, comme là à mes pieds, il y a des artichauts, des choux perpétuels, et une partie aussi de légumes, d'aromatiques, de fleurs, ou là qui seront plus annuels aussi. Donc qu'on va pouvoir diversifier d'année en année. Il y a également, juste derrière moi, là, tout un cercle de petits fruits, donc autant fraisiers, framboisiers, casseilles, groseilles, vignes, et on va en rajouter au fur et à mesure pour que ça soit vraiment un jardin nourricier, que ça soit reconnu comme un jardin nourricier. Et c'est ce qu'on a besoin aussi, c'est ces jardins partagés. C'est aussi que les gens, ou même les enfants, retrouvent comment on fait pousser un poireau, comment on cueille une fraise qui est mûre aussi, c'est tout un apprentissage. Moi, ce qui me donne confiance en l'avenir, c'est ce que je fais un petit peu tous les jours, de voir un développement justement de ce que je fais. Soit que ça soit au niveau du compostage, où il y a de plus en plus de demandes et aussi de gens qui le favorisent en pied d'immeuble, en lotissement, en copropriété,
que ce soit également bah voilà, le groupe que j'ai derrière moi qui est hyper divers et varié en personne, en toutes choses. Je pense que c'est ça, voilà, les moments partagés. Et puis et je suis une passionnée de la nature, donc bah voilà, voir que tout peut marcher ici en 2-3 ans de jardinage. Il y a tout qui pousse et ça ouais, visuellement c'est assez chouette, quoi. Thank you.